Voici le nouvel arrivant du grand aquarium de Touraine. Ce silure d'1,80 m vient d'être pêché dans un étang. Mais avant de rejoindre les autres poissons dans les bassins, il est mis en quarantaine. Ils sont mis dans ces cuves-là pour voir un petit peu leur comportement, voir s'ils n'ont pas de maladies, s'ils n'ont pas de parasites. L'aquarium compte environ 200 espèces. Près de 60 bassins sont présentés au public. À l'intérieur, des poissons de toutes tailles et de toutes les couleurs. Les visiteurs sont intrigués, parfois même surpris. Pourtant, certains animaux ne viennent pas de si loin. La particularité de cet aquarium, c'est qu'il présente sur un seul et même site toutes les espèces que vous allez pouvoir trouver au sein même de la Loire. À cela s'ajoutent aussi les espèces des eaux douces tropicales, mais aussi des eaux de mer. Des animations sont également proposées le long du parcours. Le repas des animaux rencontre un franc succès, car pour manger, chacun sa méthode. Au bord de ce bassin, les visiteurs peuvent eux-mêmes nourrir les poissons. Et ça, c'est une occasion unique quand même de pouvoir toucher les poissons vivants et de pouvoir les caresser. Une bonne idée de sortie, c'est sympathique. Ouais. Ouais, c'est un endroit agréable. Thomas vient à l'aquarium pour la deuxième fois, mais il est toujours aussi admiratif. J'ai bien aimé les piranhas, c'était cool. Et les requins un peu, surtout le brochet, c'est ça que j'aimais bien beaucoup. Ne manque plus qu'un animal à l'appel. Une baleine. L'aquarium laisse décidément libre cours à l'imagination.